Bonjour Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit, on ne peut pas toujours continuer dans la même chose, dans la même direction et s'attendre à un changement. Non, il faut changer de comportement, s'adapter à un autre comportement qui est différent de celle qu'on a toujours eue. Ça doit être une nouvelle vie, une nouvelle Chantal, ok, avec la nouveauté, oui, nouveau caractère et comportement. Ça ne doit plus être les mêmes choses qui t'ont ruiné. Un nouveau esprit ou la nouvelle mentalité, une autre façon ou manière de réfléchir, c'est de ça qu'il s'agit. Une autre façon de réfléchir, une autre façon de se comporter, une autre façon, bon, le comportement, excusez-moi. Donc, ce que je vais dire là, si j'ai fait des erreurs, excusez-moi, ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, souriant, Jésus-Christ, c'est Seigneur. Donc, j'ai dit, en train de... Bon. OK? Donc, on peut prendre un peu pour réussir là. Pour réussir dans la vie, tu ne vas pas toujours continuer à faire ce que tu faisais avant. Il faut un changement. Oui, ça prend vraiment un changement. Un changement de comportement. Les athlètes, les footballeurs, ceux qui remportent la coupe, ceux qui gagnent, on ne les, c'est pas les gens qui sont partout. C'est rare qu'on puisse les voir. Ils sont discrets. OK? Ils ne sont pas versés. Ils sont pas, on les raconte pas partout. Ils sont en train de s'entraîner dans le secret. Ils sont en train de se former et c'est le résultat qu'on voit quand ils remportent la coupe, quand ils gagnent, quand ils ont, oui, parce que ils ont travaillé sur eux. Ils se sont formés. Ils ont pris le temps de se former, de devenir forts. Et c'est comme ça. Le Saint-Esprit, on prend le temps avec l'Esprit de Dieu pour se former. On ne continue pas à faire ce qu'on faisait et puis on partait de ruine en ruine, de pauvreté en pauvreté, de malheur en malheur. Il faut changer de caractère, changer de comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Bible dit quoi? La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre force là se retrouve dans le calme. C'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance, le calme et la confiance que sera votre force pour trouver la force. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Confiance en Dieu, tranquillité dans l'âme, le calme dans l'âme. Maintenant, les gens qui n'ont pas décidé de changer là, ils ont décidé de continuer à pécher, de continuer dans le péché là-bas. Ils continuent dans le péché. Satan les traumatise, Satan les tourmente. Une personne que vous savez très bien qu'elle prie, qu'elle est là pour servir Dieu. Quand on contacte cette personne-là, qu'est-ce qu'on demande? Prie pour moi. Prie pour moi. Soutiens-moi dans la prière. On n'appelle pas la personne pour dire l'argent, l'argent, l'argent. La Bible dit Dieu ou l'argent. Dieu ou mammon. Ou tu suis Dieu ou tu suis l'argent. Donc, ceux qui dérangent, ceux qui viennent pour l'argent, là,
ils ne viennent pas pour Dieu. Hein. La Bible te dit Dieu ou maman, Dieu ou l'argent. Ça veut dire c'est Dieu ou bien c'est Dieu, la personne a pris ou bien c'est l'argent. La personne peut être avec toi à cause de l'argent, pas à cause de Dieu. Parce que la personne qui sait que c'est Dieu qui t'inspire, lorsque la personne s'approche de toi, la personne te dit, prie pour moi, soutiens-moi dans la prière. Parce que c'est ça ton travail. Donc, la Bible te dit, ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Maintenant, ma force là, j'ai pu ça où? Quand je suis en paix, quand je suis calme, quand je suis tranquille. Maintenant, quelqu'un que Satan a tourmenté là-bas, a mis l'argent dans sa pensée, va la déranger, va lui demander l'argent, va déranger sa paix, va déranger son esprit. Pourquoi Satan fait ça? Parce que Satan veut m'empêcher d'aller là où Dieu veut que j'aille. Hein, vous n'avez pas compris ça? C'est pour cela, arrivé à un certain moment, là, on se sépare des gens, on ferme la porte. Parce qu'on a besoin de la tranquillité. Ce que Satan fait, il travaille sur les gens. Les gens sans foi ni loi, là. Il les dérange, il met l'argent dans leur tête, il les cafouille là-bas. Quand on leur dit repentance, Jésus-Christ revient bientôt, allez-y à l'église, ils ne vont pas à l'église. Hein. Quand Satan finit de les yuguyaga, comme les gens disent, de les cafouiller, toi, tu étais dans ta paix, hein. Ils vont venir te déranger en te demandant de l'argent. C'est pour cela qu'on ferme la porte. Tu fermes la porte. Tu t'éloignes. Et tu te formes. Tu restes dans la présence de Dieu. Si eux, là, ils ne cherchent pas la présence de Dieu pour avoir ce que toi, tu as eu, là, tu les laisses là-bas. Toi, tu restes dans la présence de Dieu. Tu restes dans le calme. C'est comme ça. Les athlètes, les footballeurs, ils s'entraînent. Maintenant, dans le secret, ils passent leur temps à s'entraîner. Après, on voit le résultat. Ils prennent la coupe. Ils ont pris les trophées. Vous voyez, ils ont des choses. Ils gagnent. Ils remportent la victoire parce qu'ils se sont formés, ils se sont entraînés. Donc, si avant, il y a des choses que je ne savais pas et je laissais faire, maintenant que je sais que Satan utilise les gens pour venir déranger ma paix, parce que j'ai besoin de cette tranquillité, j'ai besoin de cette paix-là pour avancer dans mon âme. Parce que quand tu es troublé, quand tu es perturbé, quand tu es dérangé dans ton esprit, dans ton âme, là, vous pensez que je peux venir m'asseoir et puis faire ce genre de vidéos que je suis en train de faire? Non. J'ai besoin du calme, de la tranquillité. Donc pour cela, on ferme la porte aux gens qui viennent déranger. Déranger, là, les portes sont désormais fermées. C'est de ça qu'il s'agit. Pour avancer, pour réussir, là, tu ne vas pas continuer à faire les mêmes choses. On dit les mêmes choses produisent les mêmes résultats. Quand tu fais la même chose, il n'y a pas de changement, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Pour un changement, il faut faire il faut faire quelque chose que tu ne faisais pas avant, différent de ce que tu fais pour avoir un autre résultat différent de ce que tu as l'habitude de faire. Si avant, tu es monsieur tout le monde, les gens ils ont accès à toi pendant n'importe quel moment, ben, tu ouvres la porte au fait. Ça ouvre la porte à l'ennemi de t'attaquer, de t'atteindre. Parce qu'ils vont soulever leur bagage là et puis venir déposer sur toi comme ça. Il faut t'occuper de ça. Alors que tu n'es pas appelé à ça. Celui qui libère, celui qui guérit, celui qui délivre là, c'est Dieu. Donc quand quelqu'un appelle, quelqu'un qui prie là, on doit appeler pour prier. Vous soutenez dans la prière. Sans ça, là, si vous êtes en train de viser l'argent, là, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus à ce niveau-là. Viser l'argent. L'argent, maman,
Dieu ou l'argent, qu'est-ce que tu choisis? Si tu veux l'argent, ben va chercher ton argent, arrête de déranger les gens, c'est ça. Donc, pour un changement, là, il y a les portes qu'il faut fermer, il y a les gens à ne plus fréquenter. Un jour, je me rappelle, j'étais là et puis je réfléchissais, il y avait l'image de quelqu'un qui est venu, une personne qui est venue dans ma pensée, et je réfléchissais à la personne, je pensais à m'approcher de la personne, et l'Esprit de Dieu m'a dit, la personne n'a pas changé. La personne est toujours la même chose. Ça fait 2 ans. On va dans 3 ans. Donc, si tu penses que la personne, façon que tu as laissé la personne là, elle est devenue plus pire. Je dis, ah, ok, vous voyez. Donc, il y a les gens là, ils n'ont pas décidé de changer de comportement. Dieu nous appelle à un changement de comportement. Oui, à un changement de vie, à quitter le péché. Un changement de comportement. Si les gens n'ont pas capté ça, et si moi j'ai capté et je veux qu'il y ait un changement dans ma vie, ben on me laisse en paix. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu as décidé de changer, eux, ils n'ont pas décidé de changer. Tu t'éloignes d'eux et tu travailles sur toi pour avoir des bons résultats. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, ce n'est pas un péché de demander sa paix, sa tranquillité dans l'âme. Si tu veux être tranquille, travailler sur toi pour réussir là, rester dans ton coin, rester, ce n'est pas un péché. Si tu fais quelque chose, faut pas faire quelque chose qui va offenser Dieu. Quand tu fais quelque chose qui offense Dieu, là tu vas avoir un problème. Mais si tu veux t'engager dans quelque chose et puis tu es en train de penser, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu vas toujours rester à la même place. Qu'est-ce que le monde va penser? On s'en fout. On s'en fout de ce que lui, là, il va penser de moi ou de toi. On s'en fout de ce que le monde pensera de nous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu lui pense. Si tu es en train de faire quelque chose que Dieu approuve, Dieu a mis oui, là, tu continues. La paix là, elle est sacrée. La paix dans l'âme là, c'est sacré. Tu as besoin de cette paix là pour avancer. Faut pas laisser quelqu'un venir déranger ta paix. Si lui il laisse sa paix être dérangée, c'est son problème. Mais ne le laisse pas venir déranger ta paix.